Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes à Ebina TV, la chaîne du bien-être, pour notre émission culturelle 100% Terroir BT. Aujourd'hui, nous allons aller chercher une grande dame qui fait très très fort en ce moment. Voilà, maman Raj Vicky. Bonjour, maman. Bonjour. Voilà, vous allez vous présenter brièvement devant les spectateurs. Votre nom à l'état civil? Alors, moi, mon nom, c'est Madou Ozoa Rachel Vitorine, à l'état civil. Ok, et le nom artistique? Et le nom artistique, c'est Zoa Rach Vicky. Yorad Vicky, alors, vous vivez en France, comme on le sait, vous vivez en France. Vous venez aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec un album. C'est votre premier album ou vous avez déjà fait plusieurs albums? C'est mon tout premier album. Je n'avais jamais chanté, mais je me suis mis comme ça à chanter. C'est le tout premier album. Ah bon, et qu'est-ce que vous inspirez? C'est les faits des sociétés. Oui. Normalement, il nous appartient d'aider la richesse de la famille, les conditions de vie des frères et sœurs. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai aidé énormément de personnes. Oui. Et puis finalement, j'étais vilipendée. Oui. Et une façon de manifester ma colère. Et c'est comme ça, je me suis mis il y a un an et demi sur le Facebook pour manifester mon mécontentement. En chantant? En chantant. Ok. Et puis, je n'avais jamais chanté. Et c'est comme ça, un dinosaure de la place, ça veut dire que nos frères Bété, qui est déjà dans la chanson, qui s'appelle Doukou Bahi Faras, qui m'a repéré. Oui, Bahi Faras qui vivait ici, oui. Qui est parti vivre de l'autre côté. Oui, okay. Et donc c'est comme ça, il m'a vu sur le Facebook. Oui. Et puis c'est lui qui m'a conseillé de chanter. Et c'est comme ça, je me suis mis à chanter. Oui. Ok. Et, vraiment, vraiment, vraiment. La colère, vraiment, t'a mis à la musique. Mais aujourd'hui, j'espère que tu as laissé tomber tout. Parce que c'est ça. Quand tu veux aller de l'avant, il faut faire fi à beaucoup de choses. J'espère que qu'aujourd'hui, ceux qui t'en voulaient, ils vont voir que tu as pris un autre chemin. Mais en chantant, est-ce que tu parles d'eux? Est-ce que vraiment, ils se ressentent dans tes chansons? Là, Dieu a vraiment fait grâce. Oui. Communément, chez nous, les bétés, on dit la langue et les dents cohabitent toujours ensemble. Et donc, ça, c'est du passé. Oui. On dit qu'il n'y a pas d'amour sans histoire. Oui. Donc, ça, c'est du passé. Oui. La famille et moi, on sait. Tout se passe bien, il y a eu la réconciliation et on va de l'avant maintenant. Oui. Et la chanson, c'est pour faire des messages d'amour, oui. De solidarité. Oui. Parce que sans l'esprit d'union, on ne peut pas, tout seul, on ne peut pas aller de l'avant. Mm-hmm. Et donc, c'est des conseils que je donne. Mm-hmm. Et tout se passe très très bien et la famille, on s'est bien réconcilié. Ok, merci. Merci pour ton bon sens. Merci et que Dieu te bénisse pour vraiment, 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 vraiment accepter de prendre tes parents du bon côté. Et ça, Dieu va te bénir. Alors, tu as déjà signifié que tu es bété, tu viens de la région du Gor. Quel village précisément? Mon village, c'est Grebodrayo-Dagnoa. C'est à 22 km de Dagnoa. Ah bon? Et puis à 12 km de Ouragayo. Et ça fait partie de la sous-préfecture de Ouragayo. Oui. Ok, ok, tu peux dire comme ça un mot embêté pour tes parents qui sont déjà au village qui te suivent. Alors, j'ai dit, j'invite mes parents de suivre souvent cette émission de Ebonia TV, la chaîne du bien-être, qui me suit en ce moment. Et j'ai dit merci à toute l'équipe et les gens, mes parents et amis. De Drayo Dagnoa, Grebo Drayo Dagnoa précisément. Je vous embrasse tous et je vous invite encore tout le monde de venir le 9 août pour le spectacle. Embêté. Ah. Il faut embêter, ils sont au village. Embêté. Donc, Ayawo, à toi. Et l'eau, NSA, et nos cadenas, c'est. Et compte Kanyoku. Et na kaze loblé ay ke sagba ay se kono na kaze loblé et puis né e iko loblé ko sa donc ngone yu ka ka ne blé bilbonia otwo yozo ko yo gré ko dremeza
Alors, Rajviki, c'était un mot embêté. Les parents nous ont suivis. J'espère qu'ils ont vraiment compris le message. Trash. Alors, tu es artiste chanteuse. Oui. Mais tu vas prouver aux yeux de tous que tu es vraiment une chanteuse. Un a cappella pour vraiment faire plaisir aux téléspectateurs. Merci. Grand tournoi de détection organisé par Epina Communication du groupe Diamana du 8 au 12 août 2019 à Abidjan. Pour donner de tout bord, inscrivez-vous massivement à ce grand rendez-vous footballistique pour avoir une chance d'entamer une carrière professionnelle. Infoline 09 64 64 32 06 39 14 71 23 50 20 69. Bonne chance à tous. Chez Noiry, recruteur pour le compte de différents clubs européens, notamment français, italien, portugais, espagnol et anglais. Je suis ici pour confirmer ma présence en Côte d'Ivoire dans le cadre du tournoi de détection organisé par Eberna Communication. Salut la grande famille du football ivoirien. Je suis monsieur Guy Noël Thierry, recruteur de football professionnel résident en France. Je suis ici au travers de cette vidéo pour confirmer ma présence en Côte d'Ivoire dans le cadre du tournoi de détection Ebunea Communication du groupe Diamana. Jeune footballeur, saisissez cette chance en vous inscrivant massivement. Saka na mi na dire ko e ga budu me bra e ya yere za e ya na ma e ya to la go ni pa fu onyo saka ni a me ko na dire ko e ga budu me bra e ya yere za e ya na ma. Merci, merci, merci. Alors, que signifie cette chanson? Qu'est-ce que tu dis réellement dans cette chanson? Là, on est arrivé à une époque où il y a trop de décès parce qu'il y a trop de pollution. Mmh. Et je chante un peu ça, que attendons-nous. Parce qu'après, quand tu tiens à quelqu'un qui ne vit plus avec toi, c'est la désolation totale et puis la tristesse. Donc dans la vie, attendons-nous et aidons-nous les uns les autres. Ok, vraiment c'est un bon message. Alors, Rajviki, il y a des milliers d'artistes BT, il y a des millions d'artistes, vraiment dans tout le monde entier. Quel est l'artiste vraiment que tu aimes, que tu préfères musicalement? Donc là, j'ai dit merci, merci beaucoup à toute cette pléiade des artistes, des façons spontanées qui me soutiennent. Et moi, je suis vraiment... je tombe des nues en quelque sorte. Parce que je ne m'attendais pas à cela. Et mes frères, et surtout le mentor Dodo La Terre, qui est venu comme ça, il m'entoure et je suis vraiment, vraiment heureuse et contente. Et tous ces artistes-là, je leur dis merci. Ouais. C'est les artistes de Gore. Ouais. Je leur dis infiniment merci. Ouais. Ok, merci. Alors, quels sont aujourd'hui, tu viens d'embrasser le milieu artistique. Quelles sont vraiment tes ambitions dans ce monde artistique? Oui, moi, je prône l'esprit d'union, l'esprit de solidarité. Parce que sans la solidarité, sans l'union,
le monde ne va pas de l'avant. Et quand on est en famille, en équipe, on peut faire des erreurs, mais il ne faut pas garder les rancunes et les rancœurs et se mettre ensemble pour aller de l'avant. Et c'est le message que je veux faire passer. Donc, je veux passer par Eburnia TV, la chaîne du bien-être, qui va souvent me suivre et pour aller de l'avant et continuer de chanter. Merci. Alors, tu viens de faire sortir un nouvel opus qui est déjà sur le marché ici en Côte d'Ivoire et en France, j'espère. Oui. Alors, tu es là, nous voyons de partout, dans toute la ville d'Abidjan, nous voyons des bâches numériques qui sont vraiment à ton effigie. Voilà, nous voyons aussi sur ces bâches numériques les grosses têtes de la musique de la région du Gord, à savoir Zignon Dodo Latère, Ediboué, Gizo Diaghe et j'en passe. Qu'est-ce qui va vraiment se passer, oui, à ta dédicace? Donc, on va faire le show et puis il y aura énormément de surprises. Parce que j'ai actuellement mes copines aussi qui sont maintenant mes collègues artistes qui étaient déjà sur le marché, qui veulent venir me soutenir. Mais je leur dis énormément merci. Et il y aura aussi Natou d'Écosse. Toutes ces personnes-là, je leur dis merci parce que elle va venir de Paris pour mon soutien. Ouais. Donc je leur dis merci encore. Oui. Alors cette dédicace c'est pour le vendredi 9 août prochain du côté du Baron Bas de Yopougon, notre maison culturelle, de 20h à l'aube. Est-ce que tu as invité beaucoup d'artistes pour te soutenir? Comment? Oui. Oui. C'est ce que je disais déjà. Oui. J'ai vraiment la chance et puis je dis infiniment merci à tous ces bêtés qui sont les dinosaures, ça veut dire qu'ils ont toujours eu des belles voix et qui nous font danser, et que ce soit la joie et que ce soit la tristesse. Ouais. Toutes ces personnes, Ediboué, Dodo Latère, Koudou Zéblès, et puis je suis en train de voir avec le père Céry Simplice. Oui. Qui peut-être il sera là, mais il ne m'a pas encore bien confirmé, mais je suis sûr qu'il sera là. Oui. Donc je leur ai dit merci. Ils sont tous invités. Oui. Et merci encore. Oui. Merci Rach. Merci. Alors, nous constatons déjà que les tickets s'arrachent déjà de partout. Quelle est vraiment ta technique de communication? Donc là, je te dis encore merci et vous avez constaté que c'est grâce à vous et Burnia TV et. C'est vous qui m'accompagnez, donc je vous dis encore merci. Et actuellement, les tickets qui sont prépayés, qui sont presque partis, donc c'est grâce à Eburnia TV. Et je vous dis encore merci. Je rappelle que les tickets coûtent 1000 francs, vous pouvez passer à Eburnia TV, à Yopougon, Carrefour, à Kadjoba. Les tickets sont à 1000 francs, vous pouvez passer là au secrétariat. Tous ceux qui veulent vraiment déjà acheter leurs tickets, mais je rappelle que les tickets sont presque finis. Vous pouvez passer à Eburnia TV de 14h à 19h. Merci. Merci, merci Raj. Nous sommes à notre troisième étape de notre émission culturelle 100% Terroir BT. En toute vérité, Raj, vous êtes allé en France, vous vivez précisément à Lyon, plusieurs années après, de par votre bonne foi, vous êtes venu, vous avez fait partie un nombre de personnes pour aller se chercher, comme on le dit dans notre jargon. Et là-bas, vraiment, les choses n'ont pas marché entre vous et ces personnes-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est ce que j'ai dit. Nous, ici, partout dans le monde des humains, il y a les hauts et il y a des bas. Ça. Et nous, moi, je viens d'une famille et on vient d'un milieu rural. Ça veut dire que nous, nos parents sont ni allés à l'école et tout. Et pour réussir dans la vie, on n'a pas de piliers derrière nous pour nous aider. Alors moi, je me suis dit, il faut aider la famille. Il faut aider un membre de la famille et arriver là-bas. Celle-ci aussi, ou bien celui-ci aussi, va m'aider à continuer de nourrir cette chaîne, d'enrichir ou bien d'émanciper la condition de vie des membres, de plusieurs membres de notre famille. Ça. C'est ce qui n'a pas marché. Oui. Et puis les gens, ils ont manifesté leur mécontentement parce que c'est pour eux, la réussite, ça tenait qu'à eux, il ne faut plus aider quelqu'un d'autre. C'est ça qui a créé des embrouilles.
Mais Dieu a fait grâce aujourd'hui. Oui, alors donc là, par rapport à leur comportement, vous avez arrêté d'aider la famille? Non, non, j'ai continué de combat, j'ai continué le combat parce que aider la famille, ça ne veut pas dire tout le monde doit aller en France. C'est ça. Non, j'ai continué ici aussi d'une manière et autre. Oui. Je continue à aider aussi la famille. Merci. Merci. Merci beaucoup pour la réponse exacte de cette question parce que vraiment nous étions beaucoup, beaucoup, beaucoup embrouillés. On se posait un tas de questions ici en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir clarifié ce sujet. Merci également à Ebina TV, la chaîne du bien-être, la chaîne des événements réels. Voilà. Et tout à l'heure, quand ils vont voir, tu as toute vérité que tu viens de dire, grâce à Ebina TV, vraiment, tout le monde sera vraiment satisfait. Merci. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu auras ton spectacle du côté du Baron Bas de Yopougon. Quels sont vraiment les officiels, à savoir le parrain, le président de la cérémonie, le parrain artistique et autres? Donc, j'ai dit merci au parrain qui est mon frère, docteur Sile. Oui. Et le parrain artistique, Zignon Dodo Latère. Oui, Dodo Latère. Que tout le monde connaît. Oui. Et le président. Le président de la cérémonie. De la cérémonie. Oui. Monsieur Kessier. Monsieur Kessier Ambroise, c'est ça? Kessier Ambroise. Oui, monsieur Kessier Ambroise, opérateur économique. Opérateur économique. Oui. Et le coparrain qui est. Monsieur Aka Raymond, qui est de mon village maternel, il est de Pogrobré. Je lui dis merci aussi. Okay. Et merci aux parents, les hauts cadres, les Bali Ezeri et Simon Bali aussi. Oui. Des passages, je leur dis infiniment merci. Oui. J'espère qu'ils ont compris ton message. Voilà, ils sont vraiment fiers de te voir sur cette chaîne aujourd'hui. Ils sont fiers de te voir avancer dans le domaine artistique que tu as choisi. Merci, j'espère qu'ils ont compris ce message. Alors, Yao Seigneur Beya. Yaoka. Akulo. D'accord. On va. Akabe te kubote ki. D'accord. Ibele ba. Ibele, mais aïe. Ah. D'accord. D'accord. Abidjané. Iba France, ene de kubo. Ego, Kati, Maroc. Amino Yasu. Amino Yasu. Et non, au Colombo. Au Colombo. Oh, ils ont bien gagné. Oh, ils ont bien gagné. Et puis, ils ont en même temps, on l'ouvre aussi. L'ouvre Bernard. Ah bon. Et Bolo, on l'ouvre tout. Waya Oka. Waya Oso. 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 Voilà. Et Baloua Wai Krekre. On a Wai Yiba. Wai Yiba. Et la Kifi. Et la Kifi, tout le monde. On a Wai Kou Yidoku. D'accord. Wai Wai Yaka Djadjounou. Merci. C'était un petit mot dans notre patois, c'est-à-dire Bété. On va revenir. Raj Viki, un mot de fin. Un mot de fin. Voilà, pour les spectateurs. Merci énormément à mon frère, Docteur Keke Roger. Docteur Keke Roger, je suis vraiment ému et je lui dis merci qui sera mon parrain. Et avec les hauts cadres aussi de la région Grébeau, j'ai vu tous les hauts cadres de la région Grébeau. C'est une grande première. Dans notre région, tout le monde a le talent, mais il n'y avait jamais une artiste confirmée qui a la carte de Burida. Et je suis la nouvelle. Donc j'invite tous les cadres, tous les hauts cadres de venir me soutenir. Et merci encore. Merci, merci Raj Viki. J'espère que ton message est passé. Merci mesdames et messieurs téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre émission culturelle 100% Terroir BT. Merci et Dieu nous garde.